Attention, les stations fréquence pour Dundee 33 qui lance appel pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Attention, les stations fréquence pour Dundee 33 qui lance appel pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Bon, ben, on va attendre un peu. Oui, la station qui vient de répondre, les bosses 1351 à vous, de la part de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en Dundee 33 en mobile arrêté sur Artigues près de Bordeaux. Oui, c'est très très QRP là de mon côté, hein. Pourtant là je suis un petit peu en hauteur, je suis un peu dégagé. Quel est votre QTH? Alors j'ai entendu la Ruscade, mais la Ruscade c'est pas tout à côté ça quand même, donc ah oui je comprends quoi, la Ruscade c'est pas du côté des Pyrénées. Enregistré le break, attends deux secondes. Ok, d'accord, oui, compris. Voilà, il y a un autre OM qui vient d'arriver là sur le QSO, c'est Angèle qui lui est sur le Bassenon. Là par contre, lui, c'est pas évident qu'il arrive à te sortir. Je ferai un retour de micro sur Angèle. Oui, Angèle, pour te donner un peu l'info, tu as un OM de la Ruscade là qui est dans le QSO. Bon, il m'arrive très très QRP, ce qui fait que j'ai pas tout le compris. Pour info, là, je fais une vidéo, donc voilà, les OM sont avertis. Je ne sais pas quand je pourrai la mettre en ligne, hein, car quelques petits imprévus ont fait que, enfin bon, ça sera au plus rapide si j'arrive à me débrouiller cette nuit sur un autre système, ou alors ça sera au QRA. Hachi, il est 73, Rue 73, Angèle. De la Ruscade, je sais pas si elle m'entend. Donc voilà, mais je suis avec Philippe de ce nom, il est à la maison, je l'ai invité à boire un petit café et on est en train de faire un petit essai parce que j'ai des petits problèmes de l'arsène avec mon poste et je me suis aperçu que tout ça vient de mon mic. Donc il m'a amené un mic, est-ce que tu me reçois bien là? Parce que là je suis en train de moduler avec. Ah oui. Tu pourras vérifier ça là dans la vidéo, j'ai peut-être pas bien clarifié là, parce que là c'est vrai que là c'est un petit peu aigu, j'ai pas regardé comment était positionné le clarifier non plus. Et oui, je sens aucun larcel, rien derrière. Hein. Attends, le larcel c'est moi qui l'ai, quand j'allumais le poste, j'avais un bip, je cherchais tout ça venir, j'ai changé la lime, j'ai modifié les prises d'antenne, j'ai tout essayé. J'avais un bip, je sais pas pourquoi, et on comprenait pas, même Christophe ne comprenait pas, et de comprendre, on n'arrivait pas à savoir d'où ça venait. C'est tout simplement le mic qui doit avoir un problème, la pastille du mic qui ne doit pas se blinder, et ça me fait l'arsène quand j'allume le poste. Ça pas cherché à comprendre, et Philippe est passé à la maison boire le café, et il m'a amené un ancien mic qu'il avait, qui était déjà câblé CRT. Donc voilà, je module avec pour faire les essais, donc il ne me reste plus qu'à m'acheter un petit mic. Alors si tu connais nos bonnes adresses sur Bordeaux, c'est avec plaisir que je la prends. Pose la question à Christophe là du SAV Radio 33 qui est sur il est sur Martignas maintenant. Si t'as pas de numéro de téléphone, bah si tu en plus tu le connais. Oui, affirmatif, je sais, c'est deux numéros de téléphone qui m'avait laissé. Donc non mais je vais passer un petit coup de fil la semaine prochaine. Mais non mais s'il y avait quelqu'un sur Bordeaux là qui vendrait de Mike et là il a signé mais après il me prêtait là, c'est qu'après il m'a amené à Statik. Mike de Ameng, à Statik. Putain, il a l'air de bien marcher quoi. J'en avais des Mike et j'en ai vendu à plein carton là cet été justement à Marraine. Il y avait même un Kenwood dedans, un micro mobile Kenwood avec. J'ai tout vendu là, dommage. C'est vrai que
ouais, bon, bah, tu pouvais pas savoir à ce moment-là, quoi. Quoique, les mics que j'ai vendus, il faut les tester et tout, ceci, cela. Le plus récent, c'est le Kenwood qu'il y avait avec. Pour les autres, c'était plutôt du vieux Tromblon. Ouais, non, non, non. Là, je parle pour rien dire. Hachi. Oh, et là, mais toi, il y a Philippe, là, il est peut-être à la vendue à l'eau, il a cherché à lui aussi. S'il cherchait le Kenwood, il a cherché ça. Non, nous, on la cherche, là, pour les CRT, si on aurait avec les pédales pour monter et descendre les canons, avec, ce serait bien, quoi, ce serait le top. À micro préamplifié, ce serait le top. Bon, maintenant, pour voir si on en trouve, quoi, je vais voir. Je vais me renseigner de mon côté. Ok, dans mon carton, celui que j'ai vendu cet été, c'était un plein carton de boîte à chaussures. Hein. S'il n'y avait que du micro mobile dedans. Hein, et... le carton est parti d'un coup. Quoi. Je voulais voir si la station de la Ruscade arrive à t'entendre. Oui, la station de la Ruscade, tu as Angèle qui est sur le bas ce nom. Là où il est placé, si tu arrives à l'entendre, alors là, ça serait super, mais je crois que c'est pas gagné. De retour la Ruscade. Là. Oui, enregistré le break. D'accord, ok. Angèle, il t'a déjà entendu. Là, ça passe un petit peu mieux, là, du côté de la Ruscade. Est-ce que tu peux me donner ton indicatif ou ton prénom? Allô, Houston, je crois que nous avons perdu la station. Vas-y, là ça passe un petit peu mieux. Quel est ton prénom, ton indicatif? Alors l'indicatif, j'ai pas réussi à le comprendre. Philippe, ok, j'ai bien entendu. Angèle, je sais pas si tu connais Philippe sur la Ruscade. Retour Angèle. Mais lâche-moi la bouteille du whisky là que tu es en train de basculer là, Angèle. Ça fait négliger la radio. Ah non, c'est le café que t'as dit. Bon, d'accord. Le break qui s'est signalé là, qui avait l'air d'arriver assez fort, je sais pas si c'est Ludovic à tout hasard. En avant le break. Ok, les 73 Eric. Eh bien, là, je t'entends comme si t'étais assis à côté de moi dans la voiture. C'est à ce point-là. Là, je suis en train de faire une petite vidéo. Par contre, je sais pas si je pourrais la mettre en ligne cette nuit. J'ai eu de quoi m'occuper durant toute la semaine côté ordinateur. Hachis trois coups. Les 73 Eric. Bon, j'entends à ta voix que là, c'est la forme. Il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir qu'on te rend à nouveau tout à l'heure. Alors j'ai entendu une nouvelle station là tout à l'heure, pendant que j'étais au gastro solide, qui était sur le en QSO avec Angèle sur le 27500. Je l'ai entendu là sur le WebSDR. Est-ce que le gastro est fini? Est-ce qu'il est en fréquence? Retour de micro sur la nouvelle station là, qui vient de se monter en 27 mégas et qui est déjà équipée sur d'autres bandes. Oui, affirmatif, 14 Oscar Juliette 007, je pense que c'était moi. Affirmatif, oui. J'étais en train de justement de faire le gastro, là, de me dépêcher, là, parce que là je suis au pro là en même temps. Là. Et j'avais le téléphone qui était en marche là sur le web SDR de Florac. Et c'est comme ça que j'ai entendu ça. Je me suis dit c'est bon, ce soir on va avoir encore plus de monde dans le QSO, ça va être tout simplement génial.
Les bonnes saisons 13-51 de la part de 14, Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile arrêté au pro, là, en ce moment, sur Artigues, près de Bordeaux. Et pour le QTH fixe, c'est du côté, c'est sur Sainte-Colombes, entre Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille. Ok, mais 100% QSL, hein. Et comme j'ai dit tout à l'heure à l'opérateur, là, à l'OM de ce nom, hein, j'ai rentré la fréquence en W, hein. Donc je ne raterai plus aucun QSO, voilà, ça me fait plaisir. J'ai déjà passé sur la fréquence hier soir pour mon premier QSO là, avec le CRT SS 9009, et puis voilà. Donc maintenant la fréquence est enregistrée, et puis j'attendais mon tour, là, j'étais prêt à lancer un break. Et voilà, j'ai entendu, j'étais sur la terrasse, j'ai entendu que tu parlais de moi, donc je suis vite rentré reprendre le mic. Donc voilà, donc 14 Oscar Juliette 007 en 27, ou sinon 14 FRS 2505 en PMR. Voilà pour les infos. Ok, et pour le prénom, GCP. Ouais, le prénom c'est Yannick, hein, Yannick. Oui, Yannick, c'est un prénom que tu serais pas sur Facebook à tout hasard? Négatif, non. Je suis sur Twitter, sous le pseudo SWL33, parce que j'ai aussi pas mal d'écoute là, avec les scanners Whistler, mais non, je suis pas sur Facebook. SWL33, oui, ça me parle. Oui, je suis un peu partout en ce qui me concerne. Puisque je fais en sorte de promouvoir, redynamiser la CB. Donc là je suis sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, j'ai aussi le forum de la planète CB francophone, je suis sur plusieurs forums routiers, enfin bon bref, plus d'autres trucs aussi en même temps pour ça, et oui ça me parle bien même. Oui, c'est un petit peu comme comme je vois là du côté de la CB, c'est très furtif. Voilà, tout simplement. Tout le monde dit que sur la CB, la partie où on est là, des 40 canaux, il n'y a plus personne, ceci, cela. Non, il faut juste simplement être sur le bon canal au bon moment. Voilà, c'est tout. Et d'après les QSO que j'ai pu entendre, côté PMR sur Bordeaux, ben, c'est pareil aussi. Il faut simplement être là au bon moment, car il y a des EM, comme il y en a un qui va revenir nous rejoindre là tout à l'heure, là qui s'est absenté momentanément, là qui va pouvoir bien t'en parler, car justement lui est sur les PMR. D'autres aussi, je ne sais pas si Ludovic sera là ce soir en fréquence, lui aussi est sur le PMR, mais bon, c'est vrai que dans la majorité, c'est quand même assez calme. Il faut être là au bon moment, quoi. Et de mon côté, moi sur Sainte-Colombe, c'est-à-dire entre Saint-Amino, Castillon, la bataille, bon ben là c'est pas la peine. Hachi trois coups, à part une entreprise locale, c'est tout ce que j'entends dessus. Et encore, c'est juste d'occasionnel. Ok Eric, retour. Ensuite, Yannick, je crois. Un jour faire l'essai parce que je fais des tests, hein. Je suis équipé aussi en mobile avec MD-96, et je sais que je passe. Hein. Voilà. Un jour j'étais sur Saint-Émilion et avec les caméras IP là, sur le téléphone, j'avais un retour, je sais que je passe. Donc pourquoi pas un jour. Et comme tu dis, il faut être sur la bonne fréquence. Bon, mais voilà, ben, ça je peux. Moi je surveille ben, désormais le 27555, la fréquence sur laquelle nous parlons, et également PMR8 et DMR public pour ce qui est du numérique. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas se retrouver sur d'autres fréquences, puisque par rapport à mon QRA, malheureusement j'ai une rue en descente, hein, je suis au bas d'une côte, mais je suis orienté vers le nord. Voilà, tout ce qui est nord ça passe. Donc pourquoi pas. Voilà. Donc j'en profite pour laisser le micro à la station qui est revenue. Et de mon côté, je vais passer au gastro, donc je reste en
volontairement, puisque désormais je balaye la fréquence. Voilà, je laisse le micro à la station et je vous dis à plus tard. 73 à vous deux. Oui, 73, 14, Eric, tu recouvres le truc, l'opérateur Eric, de retour, et j'ai entendu vous parler de PMR, mon indicatif c'est 14 FRS 1896, opérateur Eric, sur Milan Normand. Voilà, 73 à vous. Ok, c'est noté pour l'indicatif FRS. Pour moi, là, pour le final, ben, c'est 14 FRS 2505 en PMR, donc 2505 pour le 446. Donc à l'occasion, ben, si j'entends, je réponds. Et voilà. Vu que les QSO en 446 sont très très rares, je balaye, et si j'entends, je réponds. Voilà, merci pour l'info. Je rappelle mon QTH, c'est la ville d'Aisine. Donc 14 Oscar Juliette 007 en 27 et 14 FRS 2505 en 446. Allez, je vous laisse, je passe au gastro, au casserole et je vous dis peut-être à plus tard. Oui, ok, mais on s'est coquille il y a 3 jours déjà, hein, sur le PMR, hein, vers 20h30. On s'est coquille, moi, c'est Eric sur Villaverdon, voilà. Ok Eric, oui, je confirme. Mais il faudrait que je me refasse un petit boucle, hein. Un petit bout pour tout noter, voilà, parce que au niveau des prénoms et l'indicatif, je m'y perds, donc il va falloir que je me rachète un petit cahier que je note tout ça. Allez, merci pour le contact, bonne fin de QSO et à très bientôt. Ok, merci, à bientôt. Rémi, tu vas me dire qu'il s'écrit avec toi, c'est parce que si j'arrive comme un cheveu sur la soupe là. Voilà, je te renvoie les invités, Rémi, et puis retour à toi. Ok, en espérant que la soupe était pas froide, hachi. Alors il y a Angèle avec Philippe à son QRA et il y a un OM aussi du j'ai zappé qui est du côté des Pyrénées. Si Angèle est derrière, il va pouvoir me redire ça si lui aussi il n'a pas zappé. Voilà, il faudra écouter sur la vidéo. Ça va pas me revenir, je vais pas insister, ça va pas revenir. Tout à l'heure, tu vois, je vais avoir une lumière qui va s'allumer au-dessus de la tête. Hein. Ah non, elle est déjà allumée, le plafonnier est allumé. Angèle, une station qui est sur les Pyrénées. Voilà, pour le moment, il n'y a que nous. Ludovic, j'espère qu'il sera avec nous ce soir, ça serait bien sympa, quoi. Puisque hier soir, j'ai embauché à 23h, donc ça a été raté. Ce soir, j'ai embauché à 20h, donc là, c'était impeccable. Le retour Eric. Ouais, ok, pas de souci. Mais écoute, on va laisser un petit blanc aux autres stations. Alors la station des Pyrénées, apparemment tu l'as dit, oui, elle est à la station. Ouais, la station qui est du côté des Pyrénées, est-ce que tu es toujours là? Ok, je reprends. Ok, je suis moi d'une personne, c'est bon. Bon, apparemment, peut-être que je me trompe, c'est peut-être pas du côté des Pyrénées, mais il me semble que c'est de ce côté-là. Hein. J'ai pas la carte de France sous les yeux, j'ai zappé le nom. Les 73 Michel, eh bien, plusieurs fois là sur Internet, là, j'ai demandé des nouvelles. En fréquence, c'est pareil, je t'ai appelé plusieurs fois. Et ben, très content de t'entendre là ce soir, c'est très QRP là de mon côté. Hein. Pourtant je suis là où tu m'avais eu la dernière fois là en fréquence là, sur le QSO, c'est-à-dire sur Artigues près de Bordeaux, là un peu en hauteur. Oh la boulette! Ok Michel, 73, les bonnes amitiés, j'espère que tu vas bien, voilà. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai un temps vraiment plus fatigué que d'habitude, voilà. Donc je ne suis pas peut-être pas tourné vers le Verdon, oui. Oui, pour répondre à Rémi aussi, tout à l'heure, tu as parlé de la Ruscade, c'est pas la Ruscade?
Si, mais je suis en train de réaliser qu'apparemment, la géographie et moi, ça fait deux. Parce que là, apparemment, Michel dit que c'est du côté des Bourbes, et moi qui l'ai envoyé dans les Pyrénées. Ouais, super. Avec moi, on va aller loin, quoi. Bon, ok, voilà, il n'y a pas de souci. Retour sur Angèle, sur Angèle aussi. Je pense que c'est la station de la Ruscade là, que je dois capter. C'est très sûreté de mon côté aussi. Mais j'arrive à le déchiffrer, voilà, 73. Allez, vas-y, vas-y. Ouais, attends, je vais bouger un petit peu. J'ai bougé un petit peu parce que là quand même c'est... Bon, je suis en train de faire gaffe parce que j'ai un truc là dehors et je voudrais pas être dans le champ de vision quoi. Ok, là j'ai bougé un petit peu, j'espère que ça va mieux. Oui, voilà, la Michel, je l'entends un petit peu mieux. Hein. Pourtant, là, je suis. Par rapport à la dernière fois, ouais, bah oui, vu ce qu'il est, il n'est pas sur la même antenne, les conditions ne sont pas les mêmes. Bon, là, du côté de la Ruscade, ça va, ça bouge un peu mieux. J'aimerais bien pouvoir m'avancer là de quelques mètres de plus, mais pour moi, ici, ça ne va pas le faire. C'est. Je serais trop visible par. Comment dire, des yeux électroniques. Ok, ouais, d'après ce que j'ai entendu, la station de la Ruscade, il m'entend un petit peu mieux. Bon, tant mieux, ok. Ludovic, est-ce que tu es vu l'heure? Est-ce que tu es derrière?
J'entends gazouiller un petit peu dans le lointain, c'est peut-être un QSO parallèle, je sais pas, qu'est-ce que t'as entendu Eric de ton côté, non? Alors de mon côté, nous on parle vous trois pour le moment, j'entends personne d'autre. J'ai pas encore pris les occupants en gel, pourtant ils sont pas loin, mais ils doivent être occupés. Des réglages des micros avec Philippe. Oui, oui, d'accord, oui, mais Philippe aussi, il est sur le secteur, ouais, il n'y a pas de problème. Oui, 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 oui. Et la station qui est à Ménou, là, qui est à la Ruscade de même, qui se trouve là. Ok, mais il n'y a pas de souci. Ok, ok, pour ça, voilà. Allez, mes recours, Rémi, qu'est-ce que tu nous racontes de nouveau? Eh bien, cette semaine, là, c'est... Bon, ça n'a rien à voir avec la radio, mais plutôt avec l'informatique. J'ai commencé à installer, là, sur mon PC portable, Linux, en double boot, là, sur mon PC portable. Bon, c'est un truc que j'ai toujours fait, là, depuis déjà pas mal d'années, hein, alors, pour comparer à Windows, de Windows 98 à Windows 7. Bon, en parallèle, j'ai toujours eu Linux à côté, quoi. Et là, je m'y remets, là, depuis peu. Bon, j'ai quand même gardé un œil dessus avec des lives CD, lives DVD, des trucs comme ça, quoi. Et là, ces jours-ci, je suis passé directement à l'installation, là, sur mon PC, qui, lui, est sous Windows 10. Et c'est que du côté Microsoft pour dire à quel point c'est des petits cons. Ils ont fait en sorte de complètement verrouiller leur système. De façon qu'il n'y ait aucun autre système qui puisse s'installer à côté ou que ce soit très compliqué à faire. Et ce qui devait arriver arriva. J'ai trouvé comment faire pour installer Linux dessus. Hein. Sauf que côté Windows, j'ai eu un gros souci. Au moment d'une manip, et ce qui fait que ça me l'a complètement pété, quoi, hachi, au point que ça me l'a complètement giclé, et tout ce que j'avais, on va dire, sur le bureau de Windows, dans le dossier de téléchargement, tout ce que j'avais en attente, tout ce qui était en préparation, parce que là en plus, là j'étais en train de préparer en ce moment une vidéo de photo vidéo là pour un ami. Donc tout ça, tous ces trucs-là, tout ça j'ai perdu. Bon tant pis, hein. C'est comme ça et puis voilà. Hein. Mais bon, de toute façon, le gros de ce que j'ai sauvegardé est déjà sur une autre partition. Et ça, c'est pas le problème, j'y accède facilement. Hein. Voilà. Alors du coup, hier, j'ai voulu réinstaller quand même Windows. Eh bien, ce con, il veut plus de l'ordinateur. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais là, la restauration, la réparation, la réinstallation depuis l'image Windows 10 récupérée sur le site de Microsoft, tout ça, impossible de remettre en place. Ça me dit que, pour faire simple, que le disque n'est plus dans le bon format pour lui, quoi. Même s'il est en NTFS, il y a une histoire derrière avec le UFI, le truc comme ça, quoi. Et là, il est sur un autre mode. Et bien, du coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok, puisqu'il le prend comme ça, j'ai attrapé toutes les partitions Windows, les partitions de restauration, tout ça. J'ai tiré tout ça à vue pour faire une partition principale. Et là, je suis sur le Linux Mint. Et ce qui me permet quand même de pouvoir être à nouveau actif là sur Internet. Et j'ai quand même tous mes fichiers sur l'autre partition, sur la partition D, quoi. Donc là, j'ai quand même tout ça là de côté, quoi. C'est juste les travaux que j'avais en cours et tout ça là dont j'ai tout perdu, quoi. Toutes les préparations, j'ai plus de 200 fichiers de prêts, là, de publications que je mets là, journalièrement là, sur, je sais pas si ça se dit en plus, sur Facebook. Là, j'en ai vu pour plusieurs mois, ouais. Tout ça, c'est à gicler. J'ai plus qu'à me refaire une banque de données à ce niveau-là. Hachis trois coups. Comme quoi, tu vois, là, ça a été joyeux. Alors, pour le montage vidéo, là, j'ai récupéré cet après-midi là, plusieurs logiciels là, pour Linux.
Je vais tester ça cette nuit. Bon, sinon, j'ai une route de secours au QRA. Je mettrai mon logiciel, la vidéopad dessus pour continuer à faire comme avant, quoi. Toi, je vivrai avec le Windows 10 et tu remets Windows 7 et tu seras pas emmerdé. Eh bien, celui-là, je l'ai acheté directement. Je l'ai acheté l'été dernier en plus, hein. Donc il était directement avec Windows 10. Ah, mais là, je suis sur Linux Mint et là, je peux te dire que là, c'est stable, c'est plus stable que Windows. J'ai pas de problème de virus là-dessus. J'ai quand même mis un antivirus pour protéger après les fichiers quand je bascule du côté sur l'autre ordinateur qui est sur Windows. Voilà, pour pas véhiculer, on va dire, des virus de l'autre côté. Et c'est beaucoup plus fiable, plus stable et plus sécurisé que Windows. Hein. Là, il n'y a pas photo. Hein. Ouais, juste pour terminer, moi, tu vois, à la maison, j'ai 4 ordinateurs. Bon, il y a mon fils, à part celui de mon fils qui, lui, il s'est acheté l'ordinateur. Il s'est mis Windows 10 dessus. Mais les 3 autres ordinateurs que j'ai, les 4 autres ordinateurs, parce que j'ai un PC, 2 PC portables et 2 tours, elles sont avec Windows 7. Et puis, moi, je dis, ça reste dessus. Et j'ai jamais eu de problème. Voilà. Voilà, la petite anecdote, quoi. Mais c'est vrai qu'avec Windows 10, c'est un peu le bordel, quoi. Et le jour où ils vont supprimer Windows 7, qui aura plus que le 10, on appelle aussi sortie de Ross. Voilà, voilà. Allez, retournez-y. Ouais, et puis en plus, donc on va, pour comprendre un petit peu le pourquoi du comment, en fouillant sur Internet, j'ai appris que justement Microsoft s'amuse à verrouiller comme ça les systèmes depuis Windows 8. Alors tu vois, moi, la dernière install que j'avais fait, c'était sur Windows 7. Et tout s'est toujours très bien passé. Et là, ce qui me l'a vraiment niqué, c'est quand j'ai voulu remettre le... Quand j'ai utilisé Bootropper. C'est un petit logiciel Linux qui te permet de réparer le boot de Windows. Et ce truc, je l'ai déjà utilisé 100 fois quoi, avant ça. Hein. J'ai jamais eu aucun problème. Mais vu qu'ils ont changé leur système, que les disques sont passés en EUFI, et ça change complètement la donne au niveau de tout ça. Et oui, c'est un vrai bordel. Alors, merci Microsoft, bravo. Mais ce qui est sûr, c'est que toi, tout compte fait, là, mon PC, je suis bien content qu'en fin de compte, je sois passé complètement sur Linux. Hein. Je le connais depuis longtemps, Linux, hein, mais qu'en mode graphique. Hein. Et j'en ai toujours été très content. Hein. Le seul hic, c'est au niveau des logiciels, les programmeurs qui ne jouent pas trop le jeu, à mettre les versions Windows compatibles pour Linux. Comme là, je vois par exemple Videopad, comme tu as pu le voir dans les bricoles que je fais avec, c'est un vrai couteau suisse le truc. Et là, c'est plus compliqué là pour sur Linux hein, pour trouver la même chose. Alors, je n'ai récupéré un là tout à l'heure. D'après ce que j'ai pu lire sur Internet, il doit pas être mal. Il s'appelle, je crois que c'est Cadan Live. Donc, je vais le tester tout à l'heure. Si j'arrive à faire quelque chose avec, eh bien, ok. Hein, la vidéo sera plus rapidement en ligne. Sinon, c'est pas grave. Hein, je ferai ça depuis l'autre PC qui est à la maison. Parce que là, bon, j'en ai plusieurs aussi. Hein. Alors j'ai toujours mon petit netbook. J'ai celui-ci que j'ai là ici. L'YL qui a le sien, plus encore un autre. Et c'est que du portable. Ouais, ok. Allez, fais tourner, allez. Ok, retour. Je vais essayer sur Angèle pour voir si de leur côté, ça y est, c'est bon. Oui, Angèle avait un problème de micro tout à l'heure. Il a eu un problème de micro. Apparemment, il avait du harcèle dans son micro. Et donc, Philippe est venu là avec un autre micro là pour voir ça. Et là, on attend la suite là pour voir ce que ça donne. S'ils ont réussi à résoudre le problème, je sais pas. Retour sur Angèle. Si tu réponds pas, on fera suivre sur Michel puisque ça fait des années qu'on l'a pas entendu. Hachis trois coups. Retour Angèle. Bon, ça c'est fait. Retour Michel. Oui, c'est vrai que grâce à Eric, je suis revenu sur le 7.
enregistré. Ok. Ok, merci pour le retour. Eh bien, tu parles d'âge. Je vois là sur le forum. Alors, le plus jeune membre du forum de la planète Sibi, il a 12 ans. Et le plus ancien, il a 82 ans. Et il est de Belgique. Celui-là qui a 12 ans, il est du Var, celui-là qui a 82 ans, il est de Belgique. Alors tu vois, là, c'est comme quoi la radio passe vraiment par tous les âges. Ok Michel, merci à toi pour ton passage et bonsoir 1351, retour de micro sur Eric. Ok, 73 Michel, mais écoute, à bientôt et puis la bonne continuation. Désolé pour les coupures sur la deuxième caméra, c'est la prise d'allume-cigare qui déconne. Enfin, c'est le cordon du micro qui vient cogner la prise allume-cigare. Ok, merci pour le retour. Là, c'est assez QRP de mon côté, donc j'ai pas tout saisi, quoi. Je crois qu'Eric, on a pris le micro en même temps. Ah, pardon, mais 73 alors, c'est Siri. Et puis, bonne amitié. Allez, à toi, oui. Ah, ok, toi, comme quoi, j'avais pas compris ce qu'il avait dit. Thierry, alors, ok. Les 73 à toi, et merci pour ton passage là, sur le QSO. Ah bah, il y a les deux, il y a Michel avec aussi. Désolé pour les coupures. Ah, c'est chiant, ça. Oui, j'ai l'impression qu'il ne reste plus que tous les deux. Hein. Ouais, donc, sur les QSO précédents, là, toi, pour le coup, c'est vrai que là, j'étais le grand absent, là, pour le coup. Et c'est vrai que là, depuis là où je vais assez souvent, là, en ce moment, la Roche-Chalais, j'ai essayé d'écouter comme ça, là, dans la voiture, mais c'est bourré de QRM, là, sur le site où je suis là-bas. Hein. Ce qui fait que, du coup, je n'entends absolument rien. Hein. Ou alors si ça va être via le web SDR, comme une fois là où je t'ai envoyé un petit SMS, et c'est tout quoi. C'est trop loin, trop bourré de QRM, putain la vache. Je t'avoue que j'en ai un petit peu marre d'aller par là-bas quoi. Ah ben ouais, mais on n'a pas toujours le choix, quoi. C'est sûr que c'est pas évident. Marangel, t'es revenu ? Je crois que je suis resté coincé au café au digestif. Ouais, si c'est pas le digestif qui est tombé carrément dans le café même. Ah oui, tu m'étonnes. Ouais,
vous êtes bien rentré la dernière fois, en fait? Ah, bah oui. Du coup, non, mais attends, le gag, c'est que j'ai toujours pas rangé le matériel, hein. C'est tout est encore dans les cartons, rangé au sac bien entendu, mais tout est encore dans les cartons. Hein. Et en plus de ça, l'YN m'avait passé des crochets là, de ça et tout, de ça là, pour là sur le stand et tout. C'est toujours dedans, il va falloir que je me décide avant qu'elle me prenne le rouleau à tapisserie, qu'elle s'en serve pas comme il faudrait. Ah si. Oui, oui, là, ben, en plus de ça, tiens. Sur le retour, je suis descendu en AM et sur le 19, j'ai eu un OM de la Suisse. Putain, j'ai halluciné comment il passait sur le 19 AM. Hein. Et putain, je l'entends appeler, puis j'entends l'accent et tout, je me suis dit putain quand même. Et une propague dingue. Ah ouais, mais nous on n'était pas équipé dans la voiture, hein, avec Richard. Et par contre, on est parti, nous on était 2h30, et on est arrivé, je suis arrivé chez moi à 6h30, à 6h30 à la maison. On a bien roulé jusqu'à la jusqu'à Sainte tranquille, on a pris l'autoroute, et à peu près 3 km ou 4 km avant le sac, bouche sans bloquer. Et jusqu'à la sortie, ça a bloqué après, c'était du QAQ, jusqu'à Carbon-Blanc, où on était comme ça. Ah oui, d'accord. Il me semble, si je me trompe pas, j'ai dû arriver là-bas à Sainte-Colombe vers les 20h ou 20h30, quelque chose comme ça, je crois. Ouais, je crois que ça doit être quelque chose comme ça, quoi. Mais à quelle heure vous êtes parti là-bas? Ah bah oui, bien plus tard. Bien plus tard, parce que le temps de tout démonter, de tout remettre dans la voiture, ceci, cela, de faire place nette, de dire au revoir au REF 17 et tout, de leur demander ce qu'ils en pensent pour nous l'année prochaine, eh ben, il n'y a pas de problème, hein, au contraire, hein, c'est avec plaisir qu'ils nous accueillera pour la prochaine édition, quoi. Ouais, mais ça ne veut dire pas que vous êtes sorti. Eh ben, c'est que je m'en souviens plus. peut-être vers les 17h, 17h30, peut-être, je sais plus. Je dis peut-être une connerie, je sais plus. Mais ouais, on est arrivé vers les 20h, 20h30. Hein. Oh oui, facile. Hein. Oh oui, facile. Hein. 20h30, il me semble même, hein, qu'on a dû arriver. Hein. Ouais, mais toi, tu prends pas l'autoroute, tu es passé par l'ancienne route. Alors, on a pris l'autoroute à Mirambeau. Pour sortir à Virsac. Ouais, mais comme c'est fait l'habitude, hein. Ok. Ouais, c'est bien. Mais là, depuis, j'ai copié 2-3 fois Daniel, là, quand il débauchait le son pro. Et je l'ai eu dernièrement, là, quand il avait, je sais quand c'est hier ou avant-hier, là, il avait une réunion de délégués. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Ouais, de DP, ouais, c'est ça, oui. Ouais, je l'ai eu la dernière fois, il y a un jour ou deux, je crois. D'accord, ben, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai payé en fréquence. Hein. Et là, durant toute la semaine, c'est vrai que j'ai fait un peu d'écoute comme ça, mais bon, c'était une oreille au loin, quoi. Juste histoire de dire sur Internet que la propague était là, quoi. C'est sûr que la propague était là, parce que moi je me suis amusé. C'est vrai que j'ai eu de très très bons contacts ces derniers temps, voilà, tu vois. Bon, je marque plus maintenant comme je faisais avant, mais c'est vrai que la propague était là et c'était intéressant. Ah oui, parce que c'est vrai que là, avec moi, c'est pareil, hein, j'ai entendu quelques trucs, wow, ça passait bien, hein, ça arrivait de tous les côtés. Et apparemment, aujourd'hui, ça a été assez calme, si j'ai bien compris. Je dis ça comme ça parce que travaillant la nuit, eh ben, le réveil, je l'ai mis à 16h. Et forcément, ben, on loupe tout ce qui se passe. Ah, chi.